coup vous me dites quand je reviens. Ouais. Ouais, attends, on va re- ah. Voilà la narration de Maxou. Hello darkness my old friend. Moi j'arrive. On va attends. C'est difficile de recréer la réaction. Hein. Ça sent large. Ça sort très large. Ça vole. Et là-bas, dans les étoiles. En plus, le mec qui passe en mode doum 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 doum. Et là, je suis bloqué. Oh, le mec a tiré tout droit derrière, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Il a voulu freiner aussi, t'as rien fait. Ah, j'ai regardé derrière, ça m'a déconcentré. Ah merde. Clear on the right. C'est vraiment pas quelqu'un qui l'espère, vraiment. Enfin, voilà. Allez, c'est parti. Allez, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle partie dans cette aventure iRacing. On est de nouveau avec la Cadillac sur le circuit de Summit Point Motorsport Park. On va partir ensemble avec une petite nouveauté pour cette course comparée à la première que je vous ai proposée. Il y aura cette fois-ci des Kia, donc il y aura un petit peu de trafic à gérer en plus de ce qu'on a déjà eu comme problème lors de la première course. Donc ça s'annonce plutôt sympathique. Alors on va essayer de pas prendre un black flag, même si on est au bout de la pit lane. Voilà. Et on s'élance donc pour notre qualif, on est toujours avec nos amis Emeric et Andy. Salut. Salut à tous. Et on se plonge directement dans le cœur de la course avec la qualif. Le tour de sortie. Bah ça va pouvoir aider le trafic à mon avis, je pense. Oh, généralement ça va me retomber dessus moi. Non. Pas souvent. Le grip est démentiel. Oui, c'est ouf, c'est ouf. Alors là, faut savoir un truc, c'est que selon la session, le grip et la température de la piste sur iRacing n'est pas la même. N'est pas le même. Donc, on risque d'avoir des sessions comme celle-ci, par exemple. Là, on a en qualif un grip de malade, alors que la qualif d'avant, l'arrière de la voiture baladait beaucoup. C'est plutôt sympa. Allez, on va se lancer pour notre premier tour rapide. C'est parti. Bonne chance, messieurs. La même. Ok, here comes your first time lap. Allez, Pénélope. Oui, c'est le nom de ma voiture. Nous avions cru comprendre. Et voilà, le premier tour qui est... Premier tour de sécurité aussi, presque fini. Ah, moi je me suis crashé. C'est mort, j'aurai un vieux chrono. One more lap. Et 5. Ouais, donc j'aurais pu faire un top 5 aussi. Tant pis. Ouais,
beaucoup de temps dans le troisième secteur. Je fais un vieux 1-12 et voilà. J'ai dû partir des stands. Oh la catastrophe. Alright, there's the chicken flag. Une 11-3. Ah bah vous êtes l'un derrière l'autre. Ouais, c'est l'inverse de la course. Je suis deux voitures derrière vous. Je suis tombé P6. Je suis P10 parce que le premier tour n'a pas été validé et vu que j'ai cassé la voiture, j'ai dû. Voilà. Montre respirer. Voilà, à mon avis, on peut s'accrocher et essayer d'aller à la 4. Parce que les trois premiers sont trop forts. Le premier, c'est un avion, 10-300. Yuri, c'est le mec qu'on parlait. Ah bah, il est très 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 fort. Ouais, tout à l'heure, avec Kak. Nice lap, Yuri. Ah bah oui, au fort. Yuri. Jean-Kiev. Plastoline. One lap to green. Line up on the left side. Oh, le scooter. Te calme, Jeff. Tu l'appelles Jeff, toi? Comme dans F1 2016. Dans F1 2016. On part 6 et 7, c'est pas mal, hein. Ah, vous êtes juste devant, là. C'est pas mal. J'ai une voiture bleue entre nous. Allez, rien de grand. Ah, ça y est, ah bah il a la même phrase que tout à l'heure. Et là on a Olivier qui fait des hommes, Maxou. Je suis abonné à ta chaîne. Vous savez que j'allais rater le départ du tour de formation. Oh, il est beau. Tellement chaud. Ah oui, j'allais dire Andy, il est chaud là. Mais ouais, mais devant il avance pas, avance. Ah oui, c'est encore devant, c'est pas le mec devant de toi, c'est encore pipé, là. Ah, salut Andy, attention lui, je suis à ta gauche. Il me fait rouler dans l'herbe. J'ai rien, moi je suis le mieux classé des trois là. Ouais. Oh là là. J'ai raté la qualif. Ah, P6, c'est pas mal hein. Le top c'est P5 parce que tu... Ah non, P6 pardon, excuse-moi, t'es à gauche. Ouais, tout ce qui est pair c'est pas cool parce qu'on est à l'extérieur et pour le premier virage... Ensuite, le pair c'est cool. Voilà. C'est après cette blague, j'en tire les conséquences et je me retire de là. En première ligne, je suis désolé, j'ai pas d'autres mots. Ouais. Zigzag sur les deux largeurs de piste. Je sais pas comment on dit... Pourquoi tu zigzags sur les deux? Et Andy, t'es fort proche avec ta McDonald's. Je dis ça, je dis rien. Mais t'es ouais, non, mais le souci, c'est que. Y'a une meuf bonne à ma fenêtre et je regarde. Sa voisine, quoi. Non. Si tu me rentres dedans pour mater ta voisine. Je te bannis de ce qu'on prévoit pour la suite. On prévoit rien, donc. Ah, d'accord. Faut rien dire, faut rien dire. J'avais rien dit. Si tu relevais pas, j'avais rien dit. Si, y'a bien des mecs, ils ont failli balancer. On prévoit de faire du commentaire il y a deux, ça y est. Andy et Maxou, ils sont toujours en forme. Bon, derrière ça ne suit plus les gars. Le tour de formation. Oui, hein. Ah ouais, mais toi t'es dedans, nous on s'en fout, mais toi t'es dedans. Non, je suis là, je suis derrière la bleue qui est derrière toi, Max. Get ready, going green. Celui de gauche a l'air de pas savoir faire des départs, donc ça marche. The pipe car is in. D'avoir une bonne blague, à mon avis. Je le sens venir, la blague.
Green, green, green. C'est parti. Let the pace green, green, car by. Right side. Clear on the right. Pas eu trop de dive bomb, ça va. Car on your left. Clear. J'en ai eu un, moi. Bolo sec, le numéro 6. Je suis derrière toi, Andy. Ouah, comment j'ai dû t'éviter, Maxou. Pourquoi je me tape toujours celui qui sait pas où il va, quoi. Left side, clear on the left. J'allais dire, ouais. Il sait pas où il va, ils sont perdus, les bolos. Je laisse un peu d'écart parce que le mec devant toi. Ouais, Lucas, mais c'est le même que tout à l'heure, hein, Lucas. You're in shit. Je sens le coup arrivé. Putain, je suis sur un fourride, c'est pas bon. Et moi donc. Je suis sur un vrai rythme. Un vrai rythme de merde, un vrai rythme. Oh là. Et devant ça file, hein. Ça file, hein. Ah, c'est pour ça, j'aimerais bien. Sans être méchant, vous passez tous là. Right side. Clear. Ça tirage là que j'ai gros problème. Clear on the right. Le fameux, pas, hein, le fameux gauche. Pas. Elle est large, sa voiture, elle est large. Allez, Grand Prix de Belgique 95, Il Schumacher, merci à la right side. Et Brick. Je t'ai dit de pas y aller, d'attendre. Ah, Brick, putain, tu fais quoi? Ah, je la perds. Ouais, bah relâche. Ah, tu crois que je faisais quoi? Il a fallu que je pile. Ah, ça va, ça fait zéro contact. Ouais, moi aussi, zéro. Non. Ah, je t'ai vu élargir, je dis, je prends l'intérieur. Ah ouais, je t'ai dit de pas y aller, d'attendre. Ah, c'est parce qu'on les perd, les mecs devant. Là. Ouais. On risque de perdre plus à deux sans que eux n'aient rien, c'est ça le problème. Bah, je commence à avoir les arrières très très chaud. Enfin, plutôt que je me concentre sur ma course, plutôt que de vous suivre. Car on your left. Clear. J'ai changé de ligne. Lucas, you change your line on the brakes. That's not fair. Trou du cul de merde.
Oh, il sort large. Ah ouais, il sort toujours large, il te fout de la poussière dans la gueule, il zigzag, il change de ligne, c'est un trou. Putain, j'étais juste. Je suis à côté, je m'en loco. Il faut que je mette le Zana dashboard pour comprendre pourquoi la voiture a fait ça. D'un coup, ça survire, d'un coup. Bah un peu, hein. Il y a des moments où la voiture part et d'autres où elle est vraiment stable, elle est vraiment agréable. Voilà, et là moi ça fait un tour qu'elle est inconduisible. Et j'arrive pas à avoir confiance, j'arrive pas à attaquer parce que je sais pas à quel moment. Je sais pas en fait si c'est de l'usure ou si c'est de l'usure, si c'est des marbles ou si c'est de la chaleur. Ouais, j'allais dire moi je pense que c'est la chaleur parce que. Moi aussi moi. Tout à l'heure on avait pas un soleil comme ça quoi. C'est vrai, c'est que là on va ruiner nos pneus avec la chaleur. Ah mais je mets une pression de dingue à Lucas là pour qu'il se part à la faute encore une fois. Ouais, voilà. Bonne chance. Ah mais à chaque fois la réaccélération il dérape en fait. Mais oui ça, et alors fais gaffe ici, il prend beaucoup de gravier. Ah là je vais lui mettre une pression d'enfoiré. Je vais pas le doubler, je vais. Ah il m'a fait le même coup que toi. Ouais, il revient à gauche au freinage. Je plonge à l'intérieur, il... Show your mirror, watch. On m'en fout. Ouais bah, show your mirror, ça veut dire montre ton miroir. Ah. Montre ton rétro. Et voilà, il sort large, c'est bien. Avec le même endroit de freinage que d'habitude. C'est passé. C'est bon. Ah, je t'ai vu aller un peu loin. Et pourtant j'ai eu le même endroit de freinage mais des pneus qui ont pas tenu le freinage. Arrête de changer de ligne comme ça mec. Je sais pas si vous voulez en faire une autre derrière. Mais... Ouais, t'en vas déjà essayer de finir celle-là. Ouais, beaucoup les aides d'un dashboard il sera utile pour la prochaine fois parce que là c'est pas normal. J'ai vraiment dû. Un pilotage qui est infaisable, c'est nul. Vous en perdez du temps. T'es passé, Emric ? J'essaye, mais il change de ligne à chaque fois. Ça. Ah. Ah non, mais il fait perdre du temps et il est indoublable. C'est pas cool. Et voilà. Hop. Slow car ahead. Oh non ! J'aurais pu le mettre dehors au point de le. You don't watch your mirror. C'est déjà un peu plus anglais. Idiot. Ça c'est très anglais. Voilà, je commence vraiment à avoir des gros soucis de survirage. Ah, la voiture en sortie dans le deuxième secteur, elle fait mal. En plus j'ai pris la x4 au moins. Ah, il continue à sortir large. Hey, mais ce mec là n'aura jamais de problème. C'est ça le truc horrible. Déjà moins présent sur les racing que ce genre de choses, mais. Ah, t'as pas réussi à doubler ? Oh mon dieu, non, j'ai seulement de faire la jonction. Par contre, le freinage avec la voiture où tu sens qu'elle travaille, tu sens le volant qui vibre, putain, c'est un vrai plaisir. Donner un peu des points positifs quand même, mais là pour le coup, tu sens quand même bien la voiture dans le volant.
Je vais un peu économiser les pneus. Comme ça, moi, ça va permettre aussi de le rattraper. Ah, mais c'est le troisième que je rattrape! Le leader, moi je l'ai à 12 secondes. Moi. Ah! Ah, bah le troisième vient de se sortir. Oh, et derrière, j'ai Miguel et Gary qui reviennent très fort. Ça va nous faire une belle file. Doucement, doucement, doucement. Alors, désolé pour les viewers, mais là on est à un point où ça devient très critique. Ouh, j'ai un homme qui joue à la manette devant. Désolé, je t'ai coupé. Non, non, je disais juste que si je parle pas beaucoup, essayez de vous plonger dans la course, montez un peu le son. On est d'accord, hein, quand tu vois les roues qui font gauche droite, gauche droite. Pas forcément. Ah d'accord, ok. Il s'est encore sorti, là j'y reviens. En fait, t'as problème de netflog aussi. Hein. Cap de la mi-course. J'ai l'impression d'avoir le même truc que toi tout à l'heure. Tu disais, tu recommences à avoir du grip, tu sais. Alors est-ce que c'est pareil, parce que j'ai... je reprends du grip énormément. Voilà. Est-ce que, parce que, est-ce qu'on a refroidi les pneus et... Ah, vous allez revenir sur le troisième comme... le quatrième, pardon. Oh boy. Et nous revenons sur les Kia, messieurs. Vous voulez que je vous donne une info? Vas-y. C'est sérieux? Ouais. Alors comment c'est fait, ça? Les pneus sont à 100%. Mais les températures... C'est la chaleur, alors? Il y a de la chaleur alors, c'est... qui glisse comme ça. J'en sais rien, les pneus sont à 39 degrés, les 4, alors right est-ce que side. C'est... Est-ce que c'est une erreur du netcode ou est-ce que c'est vraiment vrai? Je sais pas. Clear. Bah, j'essaierai de mettre ça dans un dashboard tout à l'heure pour regarder. Miguel, if you want to overtake me to try to pass this asshole, you're welcome. C'est pas très très gentil tout ça. C'est trop du. Ok, c'est les deux Kia qui sont devant moi.
pouvait revenir sur la quille en ligne droite, ce serait parfait. Mais elle me convient pas du tout à piloter maintenant là cette voiture, c'est un de fou. Moi elle a jamais été aussi agréable. C'est bien, tu gênes le mec derrière moi, c'est parfait. On va se les taper dans le petit secteur. Ouais, c'est ça. C'est une chance pour vous, ça. Ouais. Il a eu du sous-virage à même pas 100 km/h. Car right. Clear on the right. Car right. You're in the middle. Three wide. Left side. Two wide. Clear. Oups, sorry. Tu l'as poussé. Ouais. Volontairement, vu le... My patience has got at some limits, man. Get off of the way. Oh, oh bitch. Get off the way. And that's not the for the number 5 left. Kia, sorry, man. Thanks. Clear on the left. Oh, Lucas a abandonné, quel dommage. Au total, j'ai un x5, mais je m'en fous. Lui, il a. Ah, moi j'ai mis un x4 pour lui. Come on. Ça commence les blue flags. Den. Tu vas dire ça. Mais ouais. Qui se fait pèse dans les retardataires. Oui, mais le mec en fait, à chaque fois j'ai de la chance, il me laisse passer et il retarde le mec d'après, donc c'est génial. Oh, ça c'est un truc de fou, ça me rend dingue ça. Là, le mec il a perdu 2 secondes sur moi à cause de ça. 15 tours pour dépasser un tour d'une Kia. Ça va encore. Et je vous annonce qu'il reste 6 minutes 40. Ouh, ça va être dur. Oh, il se met quasiment dehors pour laisser passer. Oui, c'est ça, c'est, il est gentil, hein, mais... Wow! The car on your left. Thanks, Dan. Clear. Left the car. C'est génial. Le pire, c'est que là, la catégorie en dessous est payante. C'est ça qui est dur, en fait. Tu sais, tu peux rouler en Cadillac, c'est comme si tu pouvais rouler en LMP1 mais tu devais payer pour rouler en GTE. Am. C'est marrant, hein. C'est ça. Il y a des coupes Kia, à l'époque il n'y avait que la Kia dans une catégorie bien avant la Cadillac. Ça peut être fun. Hein. Moi j'aime bien faire des courses dans une course en fait. J'aime bien être pas la plus petite catégorie, mais entre... J'aime bien doubler. Pareil, j'aime bien le GTE ou le... C'est ça. Ou à la limite le LMP2. Ah voilà, la P2 c'est ma catégorie préférée en endurance. Ah moi c'est GTE. Blue flag. Please, parce qu'il est gentil, Dan, il est gentil. Non c'est pas Dan, c'est Matt. Ah. Alors engueule lui. Et bah, j'ai perdu une place à cause du blue flag. Ça m'apprendra à faire mon Sébastien Vettel. Faudrait l'enregistrer en voix vocale. Tu sais, en son vocal, que quand t'appuies, ça déclenche le son d'un côté et le micro. Ah, ça a déjà été fait. Dans ça a déjà été fait. Je me sens bien. À vérifier, mais il me semble bien. J'avais le logiciel pour modifier la voix et enregistrer.
ça aurait pu être très marrant. Mort Fox, je sais pas quoi. Je sais pas si c'était ce jeu là ou un autre, peut-être un autre. Ça a déjà été fait sur un jeu, c'est sûr. Putain, il me revient dessus. Je dirais, il y a Miguel qui a un très bon rythme. On va pouvoir discuter un peu plus en fin de course parce que c'est beaucoup plus détendu que ça ne l'a été avec notre ami tout à l'heure qui était très imprévisible. D'ailleurs, je tenais à demander maintenant aux viewers, après ce moment chaud, est-ce que vous auriez fait la même chose? C'est-à-dire que pendant 5-7 tours, quelqu'un vous embête, et j'ai un peu craqué avec mon high rating, mais je pense que c'était logique. Alors que, regardez, face à un gars comme Miguel, qui est juste devant et qui était derrière tout à l'heure, et sur qui je vais m'excuser tout à l'heure, d'ailleurs, après l'arrivée, pour lui être revenu dessus. Voilà, quoi, on essaie de plonger, et le mec arrive à protéger les deux lignes à gauche et à droite sur le freinage, quoi. Donc je sais qu'un changement de ligne est toléré, mais là c'est beaucoup, quoi. Donc est-ce qu'un gars pour vous peut défendre autant et surtout de cette manière là est-ce que c'est moi qui suis en faute ou est-ce que c'est lui? J'aimerais bien avoir vos avis, pas faire un Astropole, mais ce que vous en pensez, voilà, de ce qui s'est passé, parce que sincèrement là, voilà, j'ai craqué, j'ai essayé à 3 fois de plonger, ça passait pas, j'ai essayé, j'ai attendu, j'étais patient. Si je reviens sur Miguel par exemple, c'est léger, mais c'est suffisant pour être noté. En IRL, ils n'hésitent pas à le faire, le petit push pour. Mais c'est dur, quoi, parce que j'essaie de me mettre à l'intérieur, il y est, il se remet juste sous le nez entre le moment où le spotter. Le mec, t'es à gauche, le mec il est à droite, il a changé de ligne, il revient à gauche. Déjà, ça c'est un peu chaud. Tu lui dis de regarder ses miroirs, le mec, rien à péter, pas de pardon, même pas, rien, quoi. Et tout ça pour abandonner. Au moment où je l'ai poussé. Donc, Je cherche pas à se rater, le mec. Il passe. C'est Lucas, je connais. Laisse passer. Lucas, il est là? Ah, bah c'est lui. Ah, donc il a fait réparer. Puis, jaune, numéro 6. Oui, ouais, mais il est en blue flag. Il est derrière moi. J'ai aucun intérêt d'aller me friter contre lui. C'est un... Ah, il a des nouveaux pneus et tout, donc tu pourras rien faire. Je peux faire... Non, mais de toute façon, il est derrière moi. J'ai aucun intérêt... à ce qu'il soit devant moi, à ce qu'il soit derrière moi. Et d'ailleurs, au contraire, peut-être qu'il va me servir de poisson pilote, je vais le suivre. Ah oui, avec des plus frais, ouais. Attention, il change de ligne. Non, mais c'est pas grave, je vais pas aller le dépasser, je vais juste le suivre. À mon avis, le prochain tour, ce sera le dernier, enfin l'avant-dernier. Et il reste 1 minute 55. Ouais, donc c'est le dernier tour. Ah, non. J'ai rien dit. On est dans l'avant-dernier, on aura le drapeau blanc à la fin de celui-ci, je crois. Ça. Comment ça glisse de nouveau pour moi? Ah, moi j'ai des moustiques qui s'écrasent sur mon pare-brise. J'ai entendu le petit up. D'ailleurs, sur les GTE, désormais il y a le tear-off sur les pare-brises. J'ai vu ça pendant les 24 heures du Mans. Au stand? Ouais. Ah, oui. C'est bon, ça. Au stand, faut que t'appuies sur le bouton pour que ça l'enlève ou ça le fait soi-même? Je crois que ça l'enlève à la demande, il y en a autant, oui, pour les 24 heures. Parce que j'ai vu Partaille dans son live, il disait oui, il faudra me retirer un tir-off à la fin de son relais au matin. Si j'ai bonne mémoire, en tout cas. Là où tu choisis l'essence, il te le marque en dessous. Tirer un tir-off. Windscreen tir-off. Ouais. Prendre un relais d'une caisse avec un pare-brise sale, ça doit être ouf. Oh, ça doit être dingue. Surtout la nuit, si c'est la nuit. Bon, je décroche un peu sur Miguel. Moi j'ai encore. J'ai vraiment de plus en plus de problèmes de stabilité. Hein. C'est... Ah non, c'est. Non, le train avant est encore à peu près performant, c'est à l'arrière. C'est à l'accélération. J'aime pas. Enfin, personnellement, je suis vraiment pas fan des voitures qui survirent beaucoup. Et là, malgré le traction control. Traction control. Nous revenons une nouvelle fois sur les Kia. Déjà, ça a été plus vite que tout à l'heure. 15 tours à les avoir. Ah bah. On va en avoir 30 normalement. Ouais, est-ce que c'est parce qu'on est vraiment en chaud patate? Je sais pas. Le rythme. Moi je suis dans un no man's land. Le premier est à 15 secondes et le deuxième. Enfin le quatrième, pardon. White flag? Non, on l'a pas encore eu. Hein. Pas encore. C'est pour ça que ça m'étonne. C'est pas 25 minutes plus un tour? Bonne question. Ah si, ça y est, white flag. Moi j'ai soulagé en me disant c'est le dernier tour, ça va aller au bout et j'ai plus que 3 secondes sur le gars derrière.
Heureusement que j'ai pas trop soulagé non plus. Ben, si tout va bene, ce sera encore une P3. Moi, je suis P6. En partant en 12ème. Je suis P9. Avec encore une fois des gros soucis d'affichateur. En partant 12ème, P3, c'est pas mal. Moi, si j'avais pas frité avec l'autre boulot, j'aurais peut-être pu gagner encore une ou deux places, mais pas plus. Honnêtement, un top 5, ça aurait été cool. C'est vraiment une catégorie qui me convient. Pour ça, je dirai rien, je le dirai après offline, mais j'ai hâte. Moi perso, j'ai trouvé un skin de Z4 GT3. Je suis prêt à vendre ma mère. Ouais. Allez, tout en douceur. Le mec derrière moi a lâché un peu. Il a. Et voilà. Encore une bonne idée de canard. Good race, good race. Very good race. Good, ouais. Merde. Attends, je vais dire un truc. Joli, good one, good one. Good race, good race everybody. Only not for Lucas. Very bad. Yeah, and all thanks right, Miguel. Red fight, and sorry for when I came back on the track. Right job, was, you did really well. Mental in front of me, so sorry. And thank you, good job everyone. Lucas, you suck. Ah ouais, carrément. And I agree on that. Even a blind person can agree on that. J'ai quand même dit, même un aveugle peut être. Julie, very good, very good. Very good, very good. Vite, le reply. Le replat. You went fast, you went fast. Bon bah voilà, écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle course, ce nouvel épisode de l'aventure iRacing. On va laisser Alejandro à ses considérations post-course. Merci à toutes et à tous, n'hésitez pas dans les commentaires à vous exprimer sur ce qui s'est passé. Salut à Andy et à Emeric qui étaient encore avec moi. Salut, salut. Ciao. Et bien voilà, d'ici la prochaine vidéo, bon amusement en piste, à la prochaine, salut.